C'est bon, mais faut s'en...
Tout le monde
La prière, c'est une âme qui fait quoi? Le sang des amondu qui est salaganini. Hein? Oh oh! Pesayano. J'ai parlé aux gens. La prière, c'est une arme qui fait quoi? Le sang des amondu qui est salaganini. Oh! Le bas. Pesayano. Il faut essayer de bien arranger ça. Voilà, mais s'il manque un peu pour faire, c'est déjà. Hein, il fait quoi, vas-y? Le bas. La prière fait quoi? Et ça, la vanille, le sable. Oh, la prière fait quoi? Le sable et ça, la vanille, il peut s'aider à nous. Hein? Et ça, la vanille, le sable, maman. Toi, tu mérites un cadeau. Yo, bon, qui s'est mis à pêcher au pédé logo mogo. J'ai un cadeau pour toi. Dans un logo pédé le pont à yon, on ça. La prière fait quoi? Le sang de Salaganini. Le pont de ça, yo le bas. Salamanini sous le salamanini. Oh, écoutez, je n'ai pas ma prédication aujourd'hui. Bon, la matière n'a pas les lotés.
Dieu nous a équipé des armes spirituelles. Nous mettons dans nos reins tout le sécurité. Nous avons le casque de la justice. Nous avons le bouclier de la foi. Nous mettons les chaussures à nos pieds. Nous avons la sandale dans ma colonne abisso. Et nous avons aussi les ailes de l'évangile. Alors, tout ça, ce sont des armes défensives. Mais il y a une seule arme qui est offensive. Une arme qui attaque. C'est quoi? Alors, comme l'épée de l'esprit, on tient l'épée par le bras. Notre bras a une longueur. Alors, on peut tenir l'épée de l'esprit pour couper le diable. Alors, quand le diable va s'arrêter, il se fait la prière pour rallonge nos bras jusqu'à atteindre les cibles. Et nous avons pris d'autres ingrédients en disant, et Dieu nous a donné encore d'autres armes. Nous en avons quatre. Première, on a dit c'est quoi? Il y a le l'action de grâce. Ordinateur, te comaka, bazo répété. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est quoi? L'action de grâce, on a dit, c'est la première. Non! Mais viens, comment ça? Yaka. En vous, on a le sou, Yaka. Viens ici, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? C'est la prière. Le sambo. La deuxième, c'est l'action de grâce. La troisième, c'est la louange. La quatrième, c'est ce que les acclamations. Proclamation. Proclamation. Elle ne s'est pas acclamée pour elle. Ok. Sois béni, ma fille. Pambo la main. Alléluia. Prisez-le. La prière. Le sambo. L'action. On a dit, la prière allonge le bras. Le sang me pousse à le bon comme aussi. Notre bras qui tient le simbi, mon panga. Le paix qui est la parole de Dieu. Mon panga est allé le bain. Pour détruire le diable. On a le tâte à gagner un peu. En même temps, quand tu pries, la beauté nous a sauvé là. Alors, cette paix va être rallongée. Ton bras va être rallongé. Mon panga est simbi, mon panga. Le sang me pousse à le bon comme aussi. Jusqu'à localiser les diables. Même s'il est à Kananga, manifeste le miracle. Christ, il a prié sur le pain et le poisson. Mais il n'a pas dit Père, multiplie ses pains. Il a rendu seulement grâce au Seigneur. Et cela a nourri plus de 5 000 hommes. 5 000 hommes, sans compter
capacité, Mibali, c'est que quatre sont de grâce. Et nous avons une autre âme, c'est la louange. Je te sens les coups de l'émouche, tous ceux les âmes. Quel que soit, tu es dans les difficultés. En tant que ça, en fait, il y a pas si. Même si on t'a coincé. En tant qu'on va finir, on va t'indiquer. Même si on t'a mis en prison. En tant qu'on va tirer la colère pour. Quand tu loues le Seigneur, pendant que tu es triste, pendant que tu as vu les pleurs, le mur de la prison va être planté. Aujourd'hui, nous parlons sur la proclamation. Alléluia. La proclamation. Il y a quelqu'un la proclamation. Il y a encore la proclamation. Alléluia. Tu dans ta main. Nous sommes dans mon amour. Posa la question à Moïse. Moïse, as-tu dans ta main la Moïse réponds. Les bâtons. Les bâtons. Avec ces bâtons. Tu vas libérer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Il se lèvera pour regarder. Il se lèvera pour
vous regardez. D'autres, ils ont un autre moyen. Ils ont mis des caméras partout. Ils ont mis des caméras partout. Quelques mouvements surveilleux. Le nom que Dieu nous dit, il veille. Il a mis ses caméras partout. Il écoute à tout ce que tu peux dire. Il dit, je veille sur ma parole pour les exécuter. Pour les exécuter. Alléluia. Toutes les choses nous sont possibles si nous osons agir avec Dieu. Ensemble, tout est possible. La parole doit nous parler comme Jésus-Christ vient. La parole doit nous parler comme Jésus-Christ lui-même. Écoutez bien la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli sa mission. Amen. Écoutez, Yoka. Qui parlera ici? Nani azolo bawa. Qui parle? Nani azolo bawa. Tu dois savoir une chose. Que tu es la bouche de Dieu. Dieu a dit, tu as bien vu. Quand je veille sur ma parole. Yoka. Quelle est cette parole? Et qui peut parler cette parole? Est-ce que c'est Dieu qui descendra pour parler cette parole? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Cette parole ne peut pas retourner à moi. Tu dois savoir que Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Il dit, tu dans ta main. La Bible dit ceci. Dieu va encore nous appuyer et nous donner encore du courage. Qui sort de ma bouche. Et là maintenant, le Seigneur va aller nous enlever le voile. Pour bien saisir, il s'agit de qui? C'est quelle bouche là? La bouche de Dieu là, c'est quelle bouche? Esaïe 44, 26, écoutez bien. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce qui prédisent mes envoyés.
Ben a kokisaka oyo basali na ngai baza kolosa. Cette parole ne sortira pas seulement directement de la bouche de Dieu comme ça. Mais ko ba malaba wezo bi makoko na monoko nzambe bongo Dieu. Cette bouche de Dieu c'est ta bouche à toi. Ko ba nzambe za pe monoko na yo. Voilà pourquoi tu dois proclamer à toi. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Là, ce n'est pas au pluriel. Il s'agit d'une personne. Écoutez, ce n'est pas parce que nous avons dit. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'ils prédisent mes serviteurs. Écoutez bien, le Kamala, j'ai dit à Jérusalem, Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda. Jérusalem sera habitée. Jérusalem sera Jérusalem sera va prospérer. Juda, Juda va être rétabli. Ton enfant sera libéré. Ton enfant sera libéré. Ta vie va être changée. Juda, c'est par la parole, c'est par la proclamation. La puissance est dans ta bouche. La puissance est dans ta bouche. Proclame la parole. Et crois ce que tu dis. Écoutez dans le verset 27. De Ésaïe 44. La Bible dit ceci. J'ai dit à la Bible. Dessèche-toi. Car un cas. Donc tu parleras aux démons. Tu parleras aux sorciers. Tu parleras à tous ceux qui te tracassent. Tu peux le commander. Tu peux le ordonner. Je dirai à la Bible. Sèche-toi, Kaouka, je tirerai la montagne, place-toi, le monde, je tirerai au démon, tu parais solo, tu as la puissance, tu as l'onction de Dieu, Dieu confirme la parole à travers ta bouche. Dieu peut faire au-delà de ce qu'il attend. Amen. Tu peux changer ton avenir. Tu peux déplacer les montagnes qui sont devant toi. Si seulement tu crois. La Bible dit, Deutéronome chapitre 31 verset 6, nous lisons, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Mais par la puissance de la proclamation, Nangouye Akotatola, je ne lirai pas.
Non, je ne lirai pas ces passages comme ça. Je ne lirai pas ces passages comme ça. Sinon, ça sera une simple lecture. Sinon, et le diable va se moquer de toi. Et il t'appellera ignorant. Cette parole peut changer ta vie. Voici comment tu dois lire et confesser cette parole. Je me fortifie et j'ai du courage. Pendant que tu te sens faible, pendant que tu te sens fatigué, et tu prends cette parole, il y a une puissance dans ces mots. Je me fortifie. Et tu n'as pas entendu que tu sois fort. Et pendant que tu as proclamé, je me fortifie. Et tu l'affirmes par dire, j'ai du courage. Je ne suis pas effrayé. Écoutez, toi tu lis ton frère, lui à ta façon. Le deuxième. Ne soyez point effrayé devant eux. Non, lui, premier ligne, deuxième ligne. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés. Vous voyez comme la Bible nous dit? Au mieux qui n'est la Bible, la Bible. Si tu les lis, c'est pas pour lire. Ceux qui ont tellement dans le col à l'air, tu n'as pas effet. Il y a moins que ça, la mission là. C'est une parole de proclamation. Tu dois dire, je me fortifie. Nous le banaco soit ma chasse. J'ai du courage. La juge ma casse. Je me crains point. Et je ne suis point effrayé. Je ne suis point effrayé devant mes ennemis. Je ne suis point effrayé devant les sorciers. Écoutez la suite. Car mon Dieu marche lui-même avec moi. Il ne me délaissera pas. Il ne me laissera jamais avec la maïté. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Commence au début. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Là, tu m'as dit ça. J'ai pris cette parole maintenant, elle est la mienne. Ah ouais, moi, si on a suivi le bas, on a commencé à moi en aïe. Je me fortifie. N'a qu'on soit mal. Aidez-moi. N'a qu'on soit mal. N'a qu'on soit mal. Très souvent, ce que je dis, quand j'ai quelque chose, je vois que cela commence à me dépasser. Et je dis, l'Éternel est mon berger. Il payera ma facture. L'Éternel est mon berger. Il me fera sortir de cet hôpital. Je ne manquerai de rien. C'est qui qu'avec Dieu tu ne peux rien manquer? C'est-tu avec Dieu que tu ne manqueras de rien? Alléluia. Amen. Cette
parole est puissante. Lulobo eza nanguya makasi. On dit, il me fait reposer dans le verre. A confondi sangai pemene matiti a mobesu. Il restaure à mongi sa motema langai. Il me conduit dans le sentier de la justice. A come manga nanzela boende beni. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tango na za kotango la na molili ya kufa. Je déclare au kema. Na kopanga le kote. Car tu es avec moi. Quand tu as un bel amour, ta houlette. Et ton bâton. Et ton bâton. Et ben de l'épreuve. Pour l'exécuter. Donc j'ai l'assurance que ce que je me dis, non, la Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est ma forteresse.
l'angai. Aie assurance. Ça va tu as un Dieu fort. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu puissant. Car mon Dieu marche lui-même à côté de moi. Il ne m'intéressera pas. Il ne sera jamais le puissant de la réalité. Lui est ta force. Quand l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Commence au début. Fortifiez-vous. Et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Là, tu m'as dit ça. J'ai pris cette parole maintenant, elle est la mienne. Je me fortifie. J'ai du courage. Je ne crains point. Je ne suis point effrayé. Pourquoi? Car j'ai l'assurance. J'ai la ferme conviction. Les abîmes devant moi, ils vont sécher parce que Dieu est déjà passé devant moi. Il m'a frayé le chemin. Il m'a préparé le chemin. Je sais que mon Dieu est un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Il a accompli tout ça. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Vous la connaissez par la tête. C'est une parole puissante de proclamation. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'assurance que comme il est mon berger, il va s'occuper de ma vie. Il va s'occuper de ma santé. Il va s'occuper de mes scolarités. Il va s'occuper de mon avenir. Il va s'occuper de moi. Je ne manquerai de rien. Tu es souvent mingi. Ce que je dis, quand j'ai quelque chose, je vois que cela commence à me dépasser. Et je dis, l'Éternel est mon berger. Il paiera ma facture. L'Éternel est mon berger. Il me fera sortir de cet hôpital. Je ne manquerai de rien. Sais-tu qu'avec Dieu tu ne peux rien manquer? Sais-tu avec Dieu que tu ne manqueras de rien? Alléluia. Amen. Cette parole est puissante. On dit, il me fait reposer dans des vins. À confondre les sangs, il permet de m'attirer à mon père. Il restaure. Il me conduit dans
dans le sentier de la justice. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne perds aucun mal. La commande que le quand tu es avec moi, et ton bâton. Le bâton, c'est la parole. Mais parce que l'Éternel veille sur moi derrière aussi de la parole. Donc j'ai l'assurance que ce que je vais dire, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné, et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Le lien du sépulcre m'avait entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, je invoquais l'Éternel, je criais à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement des montagnes frémit et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrassés. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bye-bye.
Même si maman est loin, maman elle entend le cri de son enfant.
son enfant. Que ça la bouquet c'est ni la est loin. Si maman dort, maman elle saura que c'est mon enfant. L'Éternel dit, maintenant, que j'ai que maintenant que j'ai entendu ta voix, dans le verset 8, on nous dit quoi? Maintenant que tu as entendu ma voix, ma terre a commencé à trembler. Les fondements des montagnes se mirent. Au nom de Jésus, ton Dieu changera ton temps et ta circonstance. Crois seulement. Je vais arrêter cette parole. Alléluia. C'est un homme qui obéit des fois. Sinon, on partira plus tard. Je n'ai rien à vous donner à manger. Permet que cette assemblée devienne une assemblée de voyances. Les soldats qui révoltent contre le diable et les voyants soldats. En pratique, ta parole. Qui t'envoie la parole. Où est-elle, Seigneur? Où est la vie? Accorde la grâce. Celui qui est malade, que je prie. Que la guérison pénètre son corps. Maintenant même, si tu es malade, mets une main sur la tête. La main de Dieu te touche sur les bras. Que la grâce de l'Éternel descend sur le corps. Seigneur, accorde la compassion, la faveur et la grâce. Tous ceux qui sont malades, maintenant, je commande cet esprit de maladie. Maintenant, si je le commande, Et consume tout ce qui n'a pas de valeur.
maintenant, et soyez libres. Soyez libres. Personne qui fait une démarche quelconque. On est d'accord, ma faveur. La faveur. La faveur. Que le ciel suive. Que le ciel suive. Que la paix te suive. Ce que tu désires puisse s'accomplir. Maintenant, Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.